Le secrétaire administratif de l'INC, le CT Vindouvi Kouma Claude, a expliqué en son auditoire les frais académiques à payer pour les différentes filières. Il a proposé à ses nouveaux étudiants la meilleure manière de s'acquitter des frais académiques par tranche pour faciliter le paiement aux parents. Donc sur votre fiche, au mois de février, vous avez mis 50. Je ne dis pas nécessairement 50. Si tu as trouvé 100, tu donnes 100. Tu as mis 50. En avril, tu as encore mis 50. En février, 50. Et que tu viennes me dire, nous avons examen, je voudrais que je passe cet examen. Est-ce que je serais méchant pour dire non, tu ne passes pas l'examen? Parce que j'ai vu quand même que tu es en train de tout faire pour quand même alimenter ta fiche. Peut-être à ce moment, les parents ont eu un problème, tu n'as pas à te laisser. Je veux comprendre, et tu vas passer l'examen. Je dis passe l'examen, mais il faut venir payer. Alors, fournissez un effort quand vous avez le moyen de mettre quelque chose sur votre fiche. Dans la deuxième partie de la séance, le père aumônier de l'INC a demandé aux nouveaux étudiants de lutter contre les antivaleurs dans cette institution chrétienne en se comportant avec dignité. Comme nous sommes déjà dans une famille, nous sommes déjà venus inscrits dans une famille de l'Assomption, nous devons nous comporter selon ces exigences qui sont données par cette famille. Je sais que tout le monde dans sa famille, il y a quand même les règles qu'il faut respecter. Il y a certaines règles que nous devons respecter et au nom de l'aumônerie, nous cadrons maintenant dans la spiritualité. Vraiment, vous le savez bien, nous avons des activités spirituelles qui accompagnent chaque année. Donc l'année académique que nous venons d'ouvrir, 2022-2023, nous savons qu'il y a des activités spirituelles auxquels nous devons participer. En sortant de cette rencontre, ces étudiants ont dissipé leurs craintes à propos de la fixation des frais académiques qu'ils ont trouvé plutôt abordables. Je suis satisfait par rapport aux frais académiques parce que même les étudiants de l'année passée, de l'année antérieure, pour payer le même frais académique. Alors tu es satisfait parce que nous aussi nous allons payer le même frais. Ce qui m'a intéressé, c'est la partie où on a parlé des attentes sur académie. Pourquoi ça vous a intéressé? Ça m'a intéressé parce que cette carte de SIM va chaque fois nous aider à causer entre nous, entre étudiants. D'abord, les frais académiques. J'étais vraiment satisfait, vraiment. Je fiterais aux autres finalistes ou lauréats de l'édition 2022 de venir fréquenter l'IAC parce que les frais académiques sont comme ça quand même.